Bien, abrimos hoy un nuevo capítulo de este ciclo que venimos desarrollando en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace varios años, el intelectual y su memoria. Como ya es habitual, traemos las figuras más representativas en todos los campos de las humanidades y hoy va a estar dedicado a la figura de Georges Deby, que va a ser entrevistado por los doctores Peinado Santaella y Malpica Cuello y que desde este momento tienen la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo me estaba comentando al doctor Deby, que siento un gran placer por poder estar aquí con él discutiendo de historia y hablando de historia. Entonces, nosotros hemos planteado la entrevista precisamente para incidir también en esa discusión, en la discusión de la historia. Pero, naturalmente, que conviene hablar también de su persona, puesto que su persona, como ayer dijo la decana, es un patrimonio de los historiadores y de la historia en general. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, recordando que usted ha reconocido que partía con dos influencias precedentes, procedentes, valga la expresión, del entorno familiar. La perseverancia por el trabajo bien hecho. De otra parte, las reticencias frente a cualquier tipo de doctrina, de adoctrinamiento, etcétera, etcétera. A pesar de eso, usted reconoce que debe mucho su condición de historiador al azar. Pero yo creo que ese azar ha sido generoso con usted, puesto que le puso en contacto con una serie de maestros a los que usted recuerda con mucha gratitud en sus dos obras generales, donde ha reflexionado sobre la historia. Recuerda, por ejemplo, a aquel maestro que le enseñó el marxismo. Recuerda también con absoluta gratitud la enseñanza de Jean Denis de Perrin, y, cómo no, de Marbloff, de Febre, también ya posteriormente de Fernand Braudel. Amén del impacto primitivo que en usted tuvo la escuela geográfica francesa. Usted ha escrito bellísimas palabras sobre el paisaje y sobre la influencia que la misma observación del paisaje ha tenido después para su concepción de la historia, para esa idea de la globalidad, etcétera, etcétera. Yo no quiero hacer preguntas concretas sobre todos estos extremos y lo que sí le pido, por favor, es que nos hable de esas influencias, de ese magisterio y del itinerario intelectual que usted siguió en sus primeros años de aprendizaje como historiador. Donc, pour répondre à votre question, je vais vous raconter le début de ma formation. Ça commence assez tôt, ça commence dans les années 1936-1937. J'étais encore dans l'enseignement moyen et dans cette suite de hasards qui ont fait que je suis devenu un historien, il y a eu déjà deux rencontres. La rencontre de mon professeur d'histoire dans l'enseignement moyen, qui était un homme suffisamment intelligent pour comprendre qu'à cette époque, à des jeunes gens, il fallait expliquer brièvement ce qu'était la théorie du marxisme. Il n'était pas du tout lui-même politiquement orienté de ce côté-là, mais il l'a fait d'une manière pédagogique. Et j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu la chance de prendre contact avec la pensée de Karl Marx indépendamment de tout contexte politique, de toute organisation politique. La deuxième rencontre, ça a été celle de ce professeur de philosophie qui, lorsque, à la fin des études moyennes,
Je lui disais que j'aurais aimé faire de la philosophie. Il m'a dit non, je vous connais assez pour penser qu'il vaut mieux que vous fassiez de l'histoire. L'histoire est une chose plus concrète. Vous n'êtes pas vous pour l'abstraction. Donc, il m'a dit, faites de l'histoire, vous êtes fait pour plutôt vous occuper des choses que des mots. La philosophie, ce sont les mots, l'histoire, ce sont des choses. Donc, j'ai commencé à mes études à l'Université de Lyon une licence d'histoire et de géographie. Et là, il y a une autre chance très importante, c'est que je n'aimais pas beaucoup la géographie quand j'étais dans l'enseignement moyen. Et j'ai découvert à l'université que la géographie était une discipline merveilleuse. À l'époque, les géographes en France constituaient vraiment l'avant-garde des sciences humaines. Et j'ai commencé par être géographe. Et ça a été déterminant pour le développement de ma carrière d'historien. Parce que la géographie m'a appris la globalité. La géographie, c'est l'étude du paysage. Et le paysage est le résultat d'un travail séculaire, d'une lutte séculaire entre l'homme et la nature. Et dans la construction du paysage interviennent une multitude de facteurs qui sont aussi déterminants les uns que les autres. Il y a des facteurs matériels, le milieu naturel, les moyens, l'outillage, le poids démographique, mais il y a aussi des facteurs qui ne sont pas matériels, qui relèvent des croyances, des habitudes mentales, des coutumes, et ces facteurs interviennent simultanément d'une manière parfaitement égale, sans que l'on puisse dire qu'en première instance, en dernière instance, les uns ont plus d'importance que les autres. Et ceci m'a préparé à écouter le discours des fondateurs des Annales qui appelait à une histoire globale, à une histoire totale. Donc j'étais géographe et puis je suis devenu historien. Pourquoi ? Eh bien parce que à la fin de ces études de licence, dans l'année 1939-1940, c'était une année assez dramatique pour nous en France, j'ai eu la chance de tomber sur l'historien du Moyen-Âge, le médiéviste de la faculté de Lyon, qui était Jean Desnieux. Jean Desnieux n'était pas un érudit extraordinaire, il n'a pas laissé de souvenir spécial d'un grand savant, mais c'était un admirable maître. Et il avait un don de sympathie, de communication, ce don qui fait les grands professeurs et qui incite leurs élèves à vouloir les imiter. Et c'est lui qui m'a converti à l'histoire du Moyen-Âge. Et lorsque j'ai voulu aller plus loin que l'agrégation qui me faisait entrer comme professeur dans l'enseignement moyen, j'ai commencé une thèse de doctorat d'histoire du Moyen-Âge. Mais Jean Desnieux, qui était aussi un homme généreux, a abandonné la direction de cette thèse en me disant « Pour votre carrière, il vaut mieux que vous ayez un directeur à la Sorbonne, à Paris. » Et il m'a remis entre les mains d'un de ses amis, qui était Charles Edmond Perrin, un excellent érudit, lui, et qui... lui m'a orienté dans la voie de la recherche. Et Charles-Edmond Perrin, bien qu'érudit, traditionnel, était un collaborateur des Annales, de la revue Annales.
Et par son intermédiaire, j'ai pu prendre contact avec Lucien Febvre et avec Braudel. Je n'ai pas connu Marc Bloch, précisément. Mais il y a eu une autre rencontre avec lui, qui est la publication de son livre sur la société féodale en 1940, et qui a été pour moi un choc intellectuel considérable. Et après avoir lu ce livre, j'ai senti tout de suite dans quelle direction je devais orienter mes recherches, histoire de la société, et plus spécialement, histoire de la société féodale. Charles-Edmond Perrin m'a orienté vers un fonds documentaire qui était encore à peu près vierge. C'était le recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, la grande abbaye bourguignonne. Et ce recueil n'avait pratiquement pas été exploité parce qu'il n'y avait pas d'index qui le rendait utilisable. Et sur ce travail, je me suis lancé pour poursuivre dans la direction que Marc Bloch avait ouverte et pour essayer de voir, à travers une étude monographique, ce qu'était le fonctionnement de la société que nous appelons féodale. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Parece obligado después de el recorrido que ha hecho por su formación, que comienza en la Universidad de Lyon y que en realidad un historiador siempre está en formación, continúa, como dijo en alguna de sus obras, parece evidente que la respuesta a la pregunta obliga y además aconseja hacer plantear una segunda cuestión. Y es un recorrido por su obra. Usted sabe que en España, como en toda Europa, ha sido siempre saludada como una novedad importante cualquier publicación suya. Y usted mismo ha dicho que la coherencia de su obra, que ha venido realizando durante medio siglo, forma un todo, que su lento desarrollo estaba de hecho programado, como dicen los biólogos de la proliferación celular, del crecimiento celular, en el corazón originario de la misma. Y ese era el plan de su tesis doctoral. Más que desgranar toda su obra libro por libro, que sería pues, extraordinariamente complicado y difícil, me gustaría o nos gustaría que nos hable de la evolución de sus inquietudes a partir de su obra, tanto desde su obra de historia agraria, como su obra de historia social, como su obra de historia de las mentalidades. Lorsque j'ai écrit ce dernier livre qui est apparu, qui s'appelle L'histoire continue, j'ai jeté un regard sur mon œuvre antérieure. Et c'est là que j'ai découvert finalement qu'il y avait une sorte de programmation dans le premier travail que j'ai fait, cette thèse de doctorat intitulée « La société au XIe et au XIIe siècle dans la région mâconnaise », qui était, comme je viens de le dire, un essai de compréhension du fonctionnement de la société féodale. Et effectivement, depuis cette thèse, c'est-à-dire pendant presque 50 ans, je n'ai fait que poursuivre cet effort pour mieux saisir, n'est-ce pas, cette organisation sociale. Je ne suis pas de ces historiens qui imagine que l'on puisse étudier un objet, un concept, pendant une longue période, n'est-ce pas ? Parce que cette notion de globalité dont je parlais tout à l'heure m'oblige
à considérer l'ensemble des facteurs, c'est-à-dire à prendre une vue plutôt horizontale que verticale dans mon travail. Non pas, si vous voulez, se promener à travers les siècles, mais dans une période courte, 2 ou 3 siècles, n'est-ce pas, des fins du Xe siècle, milieu du XIIIe siècle. Ça a été mon champ, n'est-ce pas. Essayer de considérer l'ensemble des facteurs qui déterminent l'évolution d'une société humaine. Et c'est donc là ce qui a orienté mes propres démarches. Je dois dire quand même que dans la fabrication des livres successifs que j'ai écrits, est intervenu d'une manière très décisive la commande, n'est-ce pas ? J'ai travaillé beaucoup sur commande. Finalement, il n'y a que deux livres que j'ai choisi moi-même d'écrire, et c'est des livres auxquels je tiens beaucoup, c'est ma thèse, et puis les trois ordres et l'imaginaire du féodalisme. Mais tous les autres, je les ai écrits parce qu'on m'avait demandé de le faire. Par exemple, j'ai commencé à approfondir mon approche de la société féodale en élargissant le champ, en ne restant pas dans un cadre monographique étroit, par l'étude de l'économie rurale et de la vie des campagnes, c'est-à-dire de ce qui soutient l'évolution sociale. Là, évidemment, il y avait cette influence de la problématique marxienne, marxiste, qui m'obligeait à partir du matériel, et il le faut, n'est-ce pas ? Il faut d'abord voir quelles sont les assises matérielles, et puis le matériel, c'est quand même plus facile à étudier que ce qui est de l'ordre des idées ou de l'ordre des représentations mentales. Donc, j'ai commencé par cela. Mais c'était une commande. Bon. Ensuite, j'ai reçu une autre commande qui a été très déterminante. C'est lorsque un grand éditeur suisse, Albert Skira, m'a demandé de collaborer à une étude, à une série de livres où l'on essayait de placer les œuvres d'art dans leur environnement, de voir ce qui avait suscité l'apparition, la création d'une œuvre d'art et comment elle avait retenti. Et j'ai accepté cette commande parce que il me paraissait, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai personnellement un goût pour les choses de l'art qui m'ont fait goûter, justement, rechercher ce genre de travail, mais aussi parce que ça me semblait alors pouvoir passer d'une étude matérielle de la société à un autre champ qui est celui le champ des idées et le champ des croyances. Et ça a été au moment même où, avec Robert Mandrou, nous lancions le projet de faire une histoire des mentalités. Donc, voyez-vous, je suis passé du matériel progressivement à une étude des images, n'est-ce pas, des images au sens concret et au sens métaphorique du terme, n'est-ce pas, les images peintes et puis ce qu'il y a dans l'esprit des gens, les images mentales. Ensuite, je me suis rendu compte que dans les sociétés primitives, les structures de parenté constituent un domaine absolument fondamental. Et je m'étais rendu compte aussi, en étudiant la société mâconnaise, que la famille, le lignage, était un axe essentiel, peut-être au centre de toute l'organisation féodale. Et donc, j'étais à ce moment-là arrivé au Collège de France et mon séminaire pendant une dizaine d'années a travaillé sur les structures de parenté
un séminaire où il y avait beaucoup d'anthropologues qui étaient là et aussi d'autres historiens. Et ceci m'a conduit notamment à poser le problème du mariage comme institution, mais aussi comme support de sociabilité. Et par le mariage, je suis arrivé aux femmes et à ce continent noir dont vous parliez, Madame, hier, et je me suis lancé dans l'exploration difficile de cette moitié de l'humanité dont jusqu'à présent les médiévistes ne s'étaient pas beaucoup occupés. À la fois par l'étude de la vie privée qui m'y avait orienté, par l'étude du mariage, et actuellement, si j'en ai encore le temps, j'aimerais pouvoir rassembler mes observations personnelles sur la condition de la femme dans l'aristocratie féodale. Vous voyez, tout cela était programmé dans les questions que je me posais à propos du Mâconnais du Xe siècle. Yo quisiera preguntarle también, retomando un poco una afirmación que hice en la otra pregunta, de su desconfianza hacia cualquier tipo de doctrina o dogmatismo, y preguntarle acerca de cuál es su valoración hoy en día sobre las tres influencias que yo creo, las tres influencias teóricas más importantes de su obra. Naturalmente, la primera creo que es la Escuela de Annales, sobre todo en su primer periodo, entre el año 29 y el año 40. Después también la influencia del marxismo, que usted llega a él fundamentalmente leyendo a Luis Althusser, y después también la antropología. La pregunta entonces fundamentalmente se refiere a la valoración que actualmente le merece la Escuela de Annales, si es que realmente existe, y por otra parte su valoración también del marxismo, relacionándolo con un hecho concreto, con un hecho político, el derrumbe de los países socialistas del Este. Si usted piensa que ese hecho político ha podido determinar o puede determinar una especie de mala conciencia entre los historiadores que hemos seguido el materialismo histórico y que nos haga sentirnos también hasta cierto punto culpables. Yo creo que no es así personalmente y en eso me alinearía con la propuesta de un historiador español, José Fontana, donde advierte que naturalmente los historiadores no hemos estado comprometidos con Stalin ni con el sistema de los países del Este y que por lo tanto no tenemos por qué avergonzarnos de ellos. Fundamentalmente entonces esas dos cuestiones, su valoración actual de la Escuela de Annales y por otra parte si cree que el marxismo puede estar influenciado negativamente por el hecho político de la caída de los países del Este. Oui, l'école des annales. D'abord, je passe pour être membre de cette école. Je pense que cette école n'a jamais existé. Il y a eu une revue qui a été merveilleuse, qui a énormément, dont la lecture a énormément compté pour moi, puisque lorsque je suis arrivé à la faculté en géographie, ce sont mes professeurs de géographie et pas les historiens qui m'ont conseillé de lire les 10 premières années de la revue, qui pour moi ça a été d'une importance capitale parce qu'il y avait ces deux propositions, la proposition d'une ouverture, l'historien ne doit pas rester enfermé dans sa propre discipline, il doit regarder vers les autres sciences humaines. Et puis il y avait cette proposition de globalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je reconnais ma dette à l'égard des annales, elle est fondamentale. Ma dette à l'égard de Lucien Febvre, que j'ai connu personnellement, ma dette immense à l'égard de Fernand Braudel, je considère que je n'aurais pas été l'historien que je suis si les annales n'avaient pas été là pour me soutenir et pour me
m'entraîner. Mais qu'est-ce qu'il en est actuellement des annales? Les annales ont... la revue continue de paraître. Elle garde une grande partie de ses qualités. Elle vit surtout de son prestige. Elle a été un peu victime de son succès dans la mesure où les membres de ce groupe sont arrivés dans des positions dominantes à l'intérieur de l'université, à l'intérieur des médias, et ont succombé, si vous voulez, à la tentation de la domination intellectuelle. Je pense que c'est une... Il y a eu un moment où l'école des annales, dans sa combativité, a remporté un succès total. Et c'est, au fond, on dit en français, elle s'est endormie sur ses lauriers. C'est-à-dire que le groupe dominant a tellement gagné la victoire, il n'a plus eu qu'à gérer une certaine situation. Et la victoire des idées des fondateurs des annales a été tellement complète que dans tout le panorama historiographique français, il n'y a plus de spécificité particulière de l'école des annales. Il n'y a plus que des institutions qui restent. Il y a des héritiers qui sont installés dans ces institutions et qui exploitent un certain capital symbolique, comme dirait mon ami Bourdieu. Voilà ce que je peux dire. On reviendra peut-être sur cette question tout à l'heure. À propos de ma situation par rapport aux annales, je leur dois beaucoup. Je reste dans des liens d'amitié avec tous ceux de mon âge qui ont été dans la même relation que moi à l'égard des annales. J'ai moins de respect pour les gens qui viennent à la génération suivante et qui se réclament des annales pour profiter essentiellement de son succès. À propos du marxisme, alors, évidemment, là je reconnais aussi ma dette fondamentale à l'égard du marxisme comme outil, comme instrument de recherche et de découverte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout un théoricien, je suis contre les théoriciens. J'appartiens à une génération d'historiens qui n'a pas adhéré au Parti communiste, alors que la génération... Enfin, à quelques années près, tous les historiens importants qui comptaient sont passés par le Parti communiste. Et même d'une manière, beaucoup ont été très staliniens et ils ne se sont jamais pardonnés de l'avoir été. Ce qui a déterminé une sorte de rejet trop brutal du marxisme dans les années 70, dans les années 80, n'est-ce pas, pour se laver un petit peu de cette mauvaise conscience, on a rejeté un peu trop brutalement ce qui, dans les propositions marxiennes, est un élément extrêmement positif. Heureusement, à ce moment-là, à l'intérieur même du marxisme, il y avait une sorte de critique extrêmement utile et qui a été en particulier le fait, non pas des historiens marxisants, mais plutôt des anthropologues marxisants. Je pense que le travail accompli par un homme comme Maurice Godelier a été très important parce que c'est lui qui a permis
de sortir de la langue de bois, de sortir d'une sorte de sclérose qui tenait à ce que le marxisme était resté enfermé dans un cadre politique et qui a permis justement de réaliser cette reconnaissance que au fond le matérialisme n'est pas tout, il ne peut pas tout expliquer, mais qu'il y a des interventions d'autres facteurs, ce que je disais. La chute du régime soviétique, est-ce que ça, quel est son impact, si vous voulez, sur la situation du marxisme dans le panorama intellectuel? Je trouve que c'est plutôt positif, à mon avis. Parce que c'est pas parce que le modèle économique et social soviétique a échoué pour des causes dont certaines sont des causes extérieures que la fonction stimulante d'une théorie qui est celle de Marx, dont il faut toujours se rappeler que c'est une théorie ancienne qui a été construite il y a plus d'un siècle en fonction de l'état de la connaissance du milieu du 19e siècle, mais que cette théorie, comme la théorie de Freud, est une théorie dont il ne faut pas devenir l'esclave, mais qui intervient, n'est-ce pas, comme une sorte d'interpellation intellectuelle, n'est-ce pas, de projet. Voilà ce que je peux répondre à votre question. En todo caso, la realidad es que tanto a través de su aprendizaje con la escuela de los análogos y su contacto con el marxismo, esto abre un debate que apenas está enunciado en España, pero que en Francia se vive con mucha intensidad, que es el debate del papel de la historia en la sociedad. Y en primer lugar, y tenemos ocasión de comprobarlo cada vez que vamos a visitar un monumento o incluso a un acto de las características del acto de ayer, que fue un acto multitudinario, y en primer lugar la relación de la historia con los medios de comunicación, con Les Médias, que dicen los franceses. Es verdad que la mayor parte de los críticos de la historia de los anales, e incluso quiero recordar que en una de las últimas publicaciones de Fernand Braudel antes de morir, él lo advertía, hay una idea casi unánime al respecto del comportamiento de los historiadores, y es la idea de aprovechar el boom de la historia y hacer, pues, darle un aspecto mercantil. Eso ha determinado también el ejercicio del oficio de historiador a partir de una serie de demandas, de peticiones, fuera de la propia historia. No es una novedad, porque eso ocurre en todo el panorama científico. Es decir, el químico investiga sobre lo que le demanda la sociedad. Y la satisfacción de esos deseos a través de los medios de masa, pues permitiría reflexionar sobre la relación que puede haber entre el oficio de historiador y los medios de comunicación. Es decir, en definitiva, cómo hacer llegar a la historia a la mayoría de la gente sin que eso signifique prostituir el conocimiento histórico, sin eliminar el rigor del cual usted hablaba ayer, y hacerlo atractivo para que salga fuera del gremio de los historiadores y del círculo en que está encerrado. Oui, c'est une question à laquelle j'ai déjà un peu répondu par ma conférence d'hier. Mais je peux revenir là-dessus. Parce que dans cette question, il y a plusieurs éléments qui sont un peu différents. Et pour y répondre, je crois qu'il faut faire état de la spécificité de la culture française. Ce qui distingue la France des autres pays européens, de l'Espagne en particulier, c'est que c'est un pays extrêmement centralisé. Et tout se passe à Paris.
Et on ne peut pas faire abstraction, à propos de la question que vous posez, de l'influence du parisianisme. N'est-ce pas ? Il y a un milieu, n'est-ce pas, qui fait la mode et qui impose sa mode à l'ensemble du pays. N'est-ce pas ? Et c'est à l'intérieur de ce milieu du parisianisme qu'il faut situer les annales. Parce que l'impérialisme des annales, qui est une chose évidente, n'est-ce pas ? Ça a commencé avec Lucien Febvre, pas Marc Bloch. Marc Bloch n'était pas un homme de pouvoir. Mais Lucien Febvre a été le fondateur des organismes, de la revue, de l'école des sciences, de la sixième section de l'école des hautes études, de l'école des hautes études en sciences sociales. Braudel a été le fondateur de la maison des sciences de l'homme. Et les épigones de Febvre et de Braudel ont mis la main sur des postes médiatiques essentiels dans le parisianisme. Les revues comme le Nouvel Observateur, voilà, tout cela, ça explique, n'est-ce pas, effectivement, à la fois certaines des critiques qui sont lancées contre les annales et le milieu des annales. Ça explique aussi un peu le repli des annales actuellement, parce qu'il y a un autre lobby concurrent qui a mis la main sur Le Monde, sur la revue L'Histoire, enfin, et sur les éditions du Seuil contre les éditions Gallimard. Voyez-vous, c'est ce jeu-là qu'il faut bien voir et qui complique... enfin, qui ne complique pas, mais qui intervient d'une manière extrêmement importante dans le débat d'idées qu'il peut y avoir. Il y a toute une sociologie de l'historiographie française qu'il faudrait faire pour expliquer et répondre à votre question. Ceci dit, moi, je l'ai dit très clairement hier, je crois que l'historien a une fonction fondamentale à remplir dans la société, dans la mesure d'abord où il travaille à rendre plus claire la mémoire collective qui détermine la conduite des gens. Notre métier consiste à quoi ? Il consiste finalement à aider les gens à se débattre d'une manière moins désarmée devant les problèmes qu'ils rencontrent, les problèmes actuels. Je considère qu'il n'y a pas de bon historien s'il n'est pas plongé dans les problèmes de son temps. S'il s'enferme dans sa bibliothèque ou dans son laboratoire, il n'est plus un bon historien. Je suis persuadé que l'enseignement de l'histoire pour les jeunes esprits est une chose capitale, parce que cet enseignement apprend l'esprit critique, à critiquer les informations, donc que l'histoire est l'école du citoyen d'une manière tout à fait déterminante. Je suis persuadé aussi que, et je le disais hier, il n'y a pas d'histoire purement objective, qu'il y a toujours un historien qui est un sujet et qui a ses propres idées, ses propres passions. Son histoire est d'autant plus heureuse et déterminante qu'il est plus passionné. Donc, je crois que la place de l'historien dans la cité, elle est fondamentale. Et j'invite moi, tous mes disciples, tous mes élèves, à se lancer vraiment à répondre. Le boom de l'histoire, je pense que ça n'est pas artificiel. Je crois que dans le public, il y a vraiment une volonté de rechercher ses racines, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a aussi un phénomène de société, dans des sociétés aussi menacées que le sont les sociétés européennes,
il y a inconsciemment la volonté de se rassurer en prenant connaissance de son passé. Et le succès des livres d'histoire dans la librairie française ne s'explique pas seulement par l'influence des annales, et pas du tout, elle s'explique parce qu'il y a la volonté de répondre à ce besoin de s'enraciner, de se fixer dans une tradition et de se réconforter en face d'un présent qui est un présent difficile, un présent gris, un présent triste, en reprenant confiance dans ce qui s'est passé autrefois. Dice usted que naturalmente el historiador debe de estar comprometido o está influenciado por su presente, que la historia por consiguiente tiene una función social. Pero acaba de decir también que ese presente es un presente gris y oscuro. A mí se me ocurre concretar también ese presente en el mundo concreto de la universidad. Recordando que usted se ha referido recientemente, la historia continúa, de forma, yo diría que tan valiente como dura, a la situación de la universidad, afirmando que la universidad es incapaz de reformarse a sí misma, que es una institución rígida, conservadora, masificada e incluso también feudalizante. Y el diario Ideal hoy recoge una entrevista suya con el título de La universidad es una institución feudal. Pero naturalmente, independientemente de que el boom de la historia esté sostenido por la empresa editorial, la historia surge y se hace en la universidad, o fundamentalmente en la universidad. Entonces, yo quisiera preguntarle si esa situación de crisis de la universidad puede afectar también al hecho mismo de que la historia que sale de la universidad, que como usted afirma, debe ser un saber útil, debe de tener una utilidad social, si la universidad en esa situación crítica está en condiciones de producir esa historia socialmente útil. Porque pienso que la historia efectivamente sigue siendo útil, que la historia continúa, y entonces me permitirá también que le haga una pregunta respecto al título de ese último libro suyo. ¿La historia continúa tiene algo de respuesta al final de la historia que están difundiendo los falsos profetas de la historia? Léase, por ejemplo, Fukuyama. Oui, alors, avant d'aller plus loin, je vous dis tout de suite que je n'ai jamais compris comment un homme intelligent pouvait parler de la fin de l'histoire. Enfin, ça n'est pas raisonnable. Ça ne peut pas imaginer que l'histoire prenne fin dans une sorte de paradis retrouvé où tout le monde serait gentil, tout le monde serait bon dans le libéralisme. Non, ça, c'est une chose que je n'admets pas. Mais je reviens à votre question sur l'université. C'est vrai que dans ce livre, L'histoire continue, je suis assez sévère pour l'université française. Parce que faut bien dire que ce livre, je l'ai écrit pour les Français. Et je suis très content qu'il ait été traduit dans d'autres langues et qu'il ait suscité un certain intérêt en dehors de mon pays. Mais je l'ai fait pour des lecteurs français et dans une intention un peu provocatrice, n'est-ce pas ? Parce que je suis préoccupé de voir que dans mon pays, le système d'éducation ne fonctionne plus bien. Et je crois que c'est très grave. Je crois que c'est très grave qu'il y a tous les organismes qui, dans la société de mon enfance, fonctionnaient pour transmettre un certain nombre de connaissances et un certain nombre de valeurs. Tous ces organismes ne fonctionnent plus bien, ni la famille, ni l'entreprise, ni l'école. Ne fonctionne pas et je pense que c'est très grave pour notre société, pour notre civilisation européenne, occidentale. Mais j'ai voulu lancer aussi un cri d'alarme
à propos de l'université elle-même. L'université, en effet, moderne, est dans une grande difficulté parce que elle ne peut pas résoudre d'une manière satisfaisante deux problèmes, elle ne peut pas atteindre de manière satisfaisante deux objectifs qui sont contradictoires. Le premier objectif, c'est de s'ouvrir le plus largement possible afin que les connaissances soient distribuées le plus largement dans toutes les classes de la société. Donc il y a une démocratisation de l'université qui est absolument indispensable. Mais l'autre objectif, c'est de maintenir la qualité des études spécialisées. Et donc il faut trouver des arrangements qui permettent d'enseigner le plus grand nombre possible d'étudiants, mais sans détériorer une certaine hiérarchie qui permet d'atteindre à une qualité de recherche exceptionnelle au sommet de l'édifice. Ce qui s'est passé en France, c'est que pour des raisons pratiques, mais souvent démagogiques, l'édifice universitaire a été aplati, n'est-ce pas ? Et que ce qui, à mon avis, devrait constituer le point d'aboutissement d'une carrière d'étudiant, a souffert de la volonté d'avoir une base extrêmement large. J'en suis à considérer que le modèle américain des collèges d'enseignement général, surmonté de ce qui est vraiment l'université et à laquelle on accède après 2 ou 3 ans d'études entre l'école médiane et le reste, serait peut-être un bon système. J'ai aussi indiqué que les universitaires sont difficilement capables de se reformer eux-mêmes. C'est mon expérience des conseils d'université qui m'en a convaincu. C'est que nous avons tous une personnalité tellement forte que nous ne pouvons pas nous entendre les uns avec les autres. N'est-ce pas ? Nous sommes toujours en contradiction les uns avec les autres. Et ça nous est difficile, finalement, de réfléchir convenablement. Il vaut mieux que la réflexion vienne de l'extérieur. Et le système universitaire français est tellement lourd, tellement pesant, que je pense qu'il faudrait imposer brutalement une réforme complète de l'université. Et je ne vois pas quel est le pouvoir politique qui serait actuellement en état de le faire. Donc je reste un peu pessimiste, si vous voulez, l'avenir de l'université française dans un climat de marasme économique et de déficit budgétaire. J'admirais tout à l'heure votre bibliothèque. Je n'oserais pas vous faire visiter la bibliothèque universitaire d'Aix-en-Provence, par exemple, parce que j'aurais honte de ce qui se fait. Donc, ça, c'est pour mon point de vue sur l'université française. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même, à propos d'un enseignement de l'histoire utile, quelque chose qui a changé récemment en France, naturellement, sans qu'il y ait intervention de n'importe quel pouvoir, et pas du pouvoir universitaire. C'est que lorsque j'ai commencé à faire des études d'histoire, nous étions, étudiants, directement mis dans une voie qui était que nous allions, nous, à notre tour, enseigner l'histoire. C'était la faculté, le département d'histoire de la faculté était au fond une école professionnelle. C'est-à-dire qu'elle formait presque uniquement des enseignants d'histoire ou de géographie. Actuellement, au contraire, en France, on a compris
ce qu'on avait compris depuis très longtemps en Angleterre, par exemple, c'est que des études d'histoire constituent une formation générale exceptionnelle pour quantité d'autres métiers. Et que quelqu'un qui a reçu une bonne formation de licence ou de maîtrise d'histoire est capable ensuite d'entrer dans le journalisme, la banque, les affaires, la politique. Et il y a maintenant de plus en plus d'étudiants en histoire en France qui font ces recherches, non pas parce qu'ils veulent enseigner à leur tour, d'abord parce qu'ils trouvent que la condition des enseignants s'est tellement dégradée qu'ils n'ont plus envie de faire ce métier, mais parce qu'ils savent aussi qu'ils reçoivent là une formation qui est extrêmement efficace. Yo me temo que, pese a las diferencias que se aprecian, usted marcaba antes, hoy en día prácticamente todo el mundo en Europa que conozca la universidad señalaría estos problemas. Yo soy de natural pesimista también con respecto a la solución, pero creo que hay que ir hacia una perspectiva distinta, que usted también ha señalado. En un libro reciente suyo, La historia medieval en Francia, Balance y perspectiva. Y es que, aunque realmente el problema de la enseñanza es un problema muy conflictivo y el número de alumnos es cada vez mayor, los medios económicos cada vez se destinan más hacia la enseñanza, hay elementos fundamentales que en Francia adquieren un carácter muy importante, que en España son menores, que indicarían de alguna manera que hay una cierta razón de ser optimista. Me estoy refiriendo sobre todo a la frescura y a la potencialidad que tienen dentro de las universidades francesas el medievalismo. Si hay algo que distingue al medievalismo francés ha sido precisamente eso, ha sido muy rompedor, es decir, ha avanzado mucho, ha modificado mucho el conocimiento de la historia, ha creado muchos campos de investigación nuevos y me gustaría que de alguna manera pues nos hablara un poco de esto, porque la experiencia que tenemos desde España viendo los equipos de investigación franceses es esta, que siguen siendo unos sectores muy nuevos, muy prometedores, que siguen planteando muchos problemas y que eso nos hace concebir un cierto optimismo con respecto al medievalismo francés. Sí. Je pense en effet que l'école française d'histoire, l'école historique française, je voudrais aussi dire que dans ce livre, L'histoire continue, j'ai à plusieurs reprises, j'ai cru devoir mettre en garde mes collègues historiens français contre la tentation de continuer de croire que l'école historique française est la meilleure du monde. N'est-ce pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a cette tentation et il faut se rendre compte quand même que des imperfections, des faiblesses de l'école historique française. Je suis un peu pessimiste en général, mais il y a quand même des points, des lieux dans lesquels le dynamisme me paraît se manifester d'une manière tout à fait satisfaisante. Je parle évidemment de l'histoire médiévale. Je pense que c'est curieusement dans certaines des sciences auxiliaires de l'histoire que les progrès sont les plus nets. Par exemple, dans l'héraldique, n'est-ce pas ? L'héraldique a été complètement rénové depuis quelques années. C'est devenu vraiment une discipline qui n'est plus simplement... parce qu'elle s'est ouverte aussi à une problématique qui vient des annales. Elle procure une richesse d'informations, de questions qui est tout à fait étonnante. Mais... je pense qu'il y a deux,
deux domaines particulièrement vivants dans l'histoire médiévale française actuellement. Il y a l'histoire de l'histoire. Je pense que c'est mon collègue de la Sorbonne, Bernard Guenet, qui a lancé et entretenu ce courant de curiosité. Cela vient d'ailleurs, ce goût d'interroger les témoins, au fond, de faire l'étude du métier d'historien dans le passé médiéval, et d'interroger, au fond, ceux qui ont été historiens avant nous sur leur propre manière de penser, cela vient, dans une certaine mesure, d'un certain doute qui nous est venu depuis quelque temps sur l'objectivité du travail historique. Le fait que nous sommes maintenant persuadés que, comme je le disais hier, l'histoire, c'est en fait une rencontre entre une personnalité et des documents, la personnalité a beaucoup d'importance. Donc, étudier le témoin autant que le témoignage, sinon plus, est vraiment la conséquence de cette espèce de doute devant la qualité objective de notre recherche. Il y a un autre secteur qui s'est extraordinairement développé, c'est l'archéologie de la vie matérielle. C'est une nouveauté en France. La France était en retard par rapport aux pays de l'Est ou du Nord. Depuis 30 ans, au contraire, l'archéologie est le secteur de la médiévistique qui a bénéficié des aides matérielles les plus généreuses. Je crois que l'archéologie est vraiment la discipline de pointe dans la médiévistique. Et c'est elle qui est capable de réveiller le débat d'idées, parce que le débat d'idées était en train de s'assoupir, de s'endormir. Et maintenant, au contraire, le débat se rouvre, il se rouvre de manière très polémique, notamment à propos de la mutation de l'an 1000. Il y a là vraiment des gens qui se battent, et c'est tout à fait nouveau. Moi, j'attendais que on recommence à se battre à propos de l'histoire du Moyen-Âge en France. Eh bien, quelques-uns se battent pour savoir s'il y a eu mutation ou révolution en l'an 1000. Est-ce qu'il y a eu une révolution féodale ? C'est moi qui ai lancé ce mot de révolution féodale, qui était un mot aussi très provocateur et trop provocateur, mais il y a de nouveau quelque chose qui se réveille. Donc, en dépit des très mauvaises conditions qui sont faites aux chercheurs en Moyen-Âge en France, en dépit de cela, il y a une vitalité de l'école historique française qui ne doit quand même pas être assez forte pour que les historiens français continuent à être aussi arrogants à l'égard de leurs voisins. Bien, yo por mi parte voy a hacerle ya la última pregunta porque comprendo que es tarde y estamos fatigados. De todas formas, yo quiero decirle que si usted intentó provocar a la sociedad francesa con su libro La historia continúa a propósito de la universidad, yo debo de agradecer a la editorial española que tuvo el acierto de traducirlo, porque así nos ha provocado también a los españoles y a los universitarios españoles. Porque creo que el debate sobre la universidad pues posiblemente haya que plantearlo en los mismos términos que usted habla para la universidad francesa. Pero en fin, dejando ya ese tema y recordando algunas frases de su libro, sobre todo aquellas en las que manifiesta un especial cariño hacia la universidad española e italiana, hablando de su frescura, hablando también de su potencialidad, posiblemente más importante que la potencialidad que puedan tener los Estados Unidos, quiero recordar. Pues yo quisiera preguntarle, que nos comente la idea que en Francia hay sobre, en primer lugar, el medievalismo español y, en segundo lugar, también sobre el medievalismo europeo. Oui, oui, c'est vrai que, d'abord, dans ce livre, j'exprimais un sentiment personnel, c'est que
C'est vrai que je me sens mieux dans l'université espagnole que dans toute autre université du monde, et je renouvelle cette expérience en ce moment, vraiment. Parce qu'il y a là une faculté, une facilité de communication, une liberté, une absence de tout formalisme qui me paraît là quelque chose de très important. Mais si je suis persuadé, et comme beaucoup de mes collègues français, que dans l'Europe du Sud, en Italie, mais en Espagne aussi, il y a une vitalité de la science historique tout à fait remarquable, c'est au fond parce que, si vous voulez, l'esprit des annales a été particulièrement reçu dans ces pays d'Europe du Sud. Vous savez, il y a deux Europes. J'en suis de plus en plus persuadé. La France est entre les deux, mais elle penche plutôt du côté du Sud. Et il y a une Europe du Nord, germanique d'un côté, anglo-saxonne de l'autre, germanique qui s'enferme dans une érudition tatillonne, n'est-ce pas, très extrêmement précise, qui a peur de son histoire d'abord, et qui a peur également de l'histoire qui soit trop audacieuse. Et puis il y a une Europe anglo-saxonne qui est volontiers sceptique et méprisante à l'égard de ce qui vient d'hors d'elle-même. Si bien que, si vous voulez, les historiens des annales ont été reçus avec leurs idées, spécialement d'abord en Italie, et puis lorsque les obstacles politiques sont tombés, tout à fait en Espagne et dans l'Hispanidad, dans l'Amérique latine. Et je pense que ce qui nous rend extrêmement sensibles à la vitalité de l'école historique espagnole, c'est justement de retrouver notre problématique à nous, mais considérablement enrichie et explorant. Il y a aussi le fait que dans les pays du Sud, c'est vrai pour l'Italie, mais c'est peut-être encore plus vrai en Espagne, pour les médiévistes, il y a eu, pendant jusqu'à une époque tout à fait récente, une sorte d'impossibilité d'accéder à des dépôts d'archives qui étaient surveillés par des chanoines qui fermaient tout, n'est-ce pas ? Et il y a eu brusquement, vous avez la chance dans votre pays d'avoir des fonds d'archives pratiquement inexplorés. N'est-ce pas ? En France, on a à peu près tout vu, on ne peut plus faire de découvertes, on peut en faire un petit peu quand même, mais en Espagne, j'ai l'impression que, à mesure que les fonds documentaires s'ouvrent, vous avez la possibilité, avec une problématique jeune, dynamique, de nous faire découvrir quantité de choses. Ça m'a beaucoup frappé, en particulier à propos de l'histoire des femmes. Il y a quelques années, je n'ai pas du tout le sens de la chronologie, je ne pourrais pas vous dire exactement la date, mais nous avons organisé à Madrid une rencontre entre historiens et historiennes françaises et espagnoles sur le problème de la femme, et à ce moment-là, j'ai été tout à fait séduit par la qualité, l'intelligence des propos, par la nouveauté des informations, d'un Polo Iradiel, par exemple, ou des gens comme ça. Mais vous, je suis persuadé qu'il y a là beaucoup plus de vitalité qu'il n'y a dans l'école de mon pays. Je ne suis pas le seul. Si Pierre Toubert, qui m'a succédé au Collège de France, s'intéresse à l'Espagne, c'est qu'il a trouvé là aussi un milieu humain où il est intéressant de travailler. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pas pour cette question. Et à mí me gustaría terminar, y antes de darle las gracias por su hermosa palabra última, me gustaría terminar pues planteando una cuestión
que está emergiendo y de la que somos conscientes, pero aún no plenamente conscientes, y es el proceso de construcción de Europa que se está produciendo a niveles políticos, con tantos inconvenientes, con tantos procesos acelerados y marcha atrás. No entrar en el debate político en sí mismo, porque no es nuestra misión actualmente, sino en el gran debate intelectual que significa la construcción de Europa, desde una doble perspectiva. Una más material, y es que la mayoría de los proyectos de tipo científico hoy en día pasan por la burocracia de Bruselas, de tal forma que es casi imposible, o va a ser casi imposible, investigar con fondos nacionales exclusivamente. Y en segundo lugar, ¿qué papel debe de corresponder a los historiadores en este proceso de construcción de Europa? Sobre todo se lo pregunto a un gran historiador francés, como el caso del profesor Divy, porque yo creo que los franceses están en el fiel de la balanza. Es decir, en torno a Francia bascula la posibilidad de construir una Europa exclusivamente germánica o anglosajona, o construir una Europa de varias culturas, entre las que la cultura mediterránea tenga un papel destacado. Cette dernière question, c'est sans doute la plus difficile, parce que nous sommes en plein dans ce débat, dans ces difficultés, et nous sommes tiraillés entre nos espoirs et nos désillusions. Je pense que c'est ça. Jusqu'à présent, la construction européenne s'est manifestée par un surcroît de bureaucratie et de difficultés. Il y a quand même un fait tout à fait positif dans le domaine universitaire, c'est que les échanges sont incomparablement plus développés qu'ils n'étaient de mon temps. Je ne parle pas simplement quand j'étais étudiant, mais quand j'étais professeur d'université, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et il y a une chose qui est tout à fait nouvelle, c'est que les étudiants français commencent à devenir mobiles, très lentement, parce qu'ils étaient, comme on dit en français, casaniers, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas sortir de chez eux, à la différence des étudiants allemands ou des étudiants norvégiens. Je pense que ça commence à bouger. Je pense que des programmes comme Erasmus, malgré les réticences de certaines universités, ça entraîne une circulation à l'intérieur de ceux qui vont devenir les intellectuels européens extrêmement fertile. Et là, je suis optimiste. Quant à la construction de l'Europe, parlons d'une Europe culturelle, parce que pour le reste, nous savons bien les difficultés qui se présentent. Je pense que j'ai une expérience personnelle très, très directe, puisque je me suis occupé pendant 7 ans de mettre en place une chaîne de télévision qui se voulait européenne et qui se voulait culturelle. Le projet est venu du président de la République française qui a décidé de créer une chaîne culturelle. Elle est devenue franco-allemande très vite, parce que le président Mitterrand et le chancelier Kohl, un beau jour, dans une rencontre, se demandaient quel projet ils pouvaient lancer. Ils ont dit « pourquoi pas la télévision ?» Mais il est un fait que, depuis quelques années, il existe un canal qui est franco-allemand. L'implication que j'ai eue dans la mise en œuvre de ce projet m'a persuadé d'abord qu'il est de l'extrême diversité culturelle qui existe en Europe, et de l'extrême difficulté qu'il y a à établir une sorte d'organisme qui pourrait fonctionner pour deux nations très différentes. Ceci dit, cette réflexion, cette constatation est aussi très positive, parce que
Je crois, je suis persuadé, et de plus en plus persuadé, qu'il ne faut surtout pas mettre en question la diversité culturelle de l'Europe. L'Europe, c'est à la fois une unité culturelle, mais une unité dans une pluralité de cultures qui se complètent les unes les autres et qui s'enrichissent mutuellement. Je pense que l'historien, vous parlez du rôle de l'historien dans la construction européenne, je pense qu'il doit rendre sensible les Européens précisément à ce qui constitue le patrimoine culturel à la fois commun et spécifique de chaque élément de cet ensemble très bigarré qu'est l'Europe. Les historiens doivent montrer aux Européens qu'ils forment vraiment un groupe qui a ses traditions, qui a sa culture, qui est organisée par une 10 siècles de vie commune et d'expansion, mais il doit aussi leur rappeler que ce qui a fait le dynamisme de l'Europe au cours des âges, c'est précisément qu'elle était un lieu d'interrogation constante, de recherche de dépassement constant, et que cette volonté d'aller plus loin, elle se fondait précisément sur la conscience qu'il y avait différentes cultures juxtaposées et qui communiquaient entre elles. Voilà la réponse que je peux vous donner pour terminer cette conversation qui a été pour moi un extrême plaisir, et dont je vous remercie.